Si tous les pays du monde donnaient juste 1 million d'euros, il n'y aurait plus de famine dans le monde. Je comprends pas pourquoi personne ne fait rien. C'est un problème de mentalité, ça, ma chérie. Tu sais, tant que les gens continueront à penser à leur petit confort et pas aux autres. Bon, allez, vous m'avez coupé l'appétit avec vos histoires de gens qui ont faim. Bonne nuit. Excuse-moi, tu vas où, là? Tu finis ton assiette, t'as même pas touché à tes brocolis. Il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde. Vas-y, donne-leur mes brocolis aux gens qui crèvent de faim dans le monde. Ça se voit que tu sais pas ce que c'est que d'avoir faim, débile. Moi, plus tard, je les aiderai, ces pauvres gens. Mais je t'en prie. Dispose, mes brocolis sont tiens, jeune gazelle. Va les voir. Tu leur dis, salut les mecs, j'ai pas d'eau, pas de médicaments et je viens pas construire une école. Mais... j'ai des brocolis. I've got the brocolis. C'est sûr, ils vont te surkiffer. Allez. Je te donne, je fais don de moi. D'ailleurs, si quelqu'un veut faire un don à son tour... Bah, moi non plus, j'ai plus très faim, en fait. C'est vrai que c'est pas bon. Ouais. En plus, pour moi, chien humanitaire, tu vois, c'est, ça compte et... Tiens, voilà, régale-toi et tu penses à tous ceux qui ont faim dans le monde. Voilà, voilà. Hein. Pense-y bien. Voilà. Moi, vous, moi, j'adore ça, les brocolis. Putain, il y a un mec en Espagne, il a gagné 47 millions d'euros au loto. T'imagines, 47 millions d'euros, c'est... Et moi, je gagne 47 millions, tu vois, je vous file 1 million à chacun, direct. Je donne plein d'oseilles à ma famille, normal, un peu à ma sœur, même si elle est relou. Je donne genre 5 millions à des villages en Afrique. Bamboleo, bamboleo. Et tout le reste, c'est pour Bibi. Quoi, attends, tu files 5 millions d'euros à des mecs que tu connais même pas et un pauvre million à tes meilleurs potes? Bravo, bravo. Et c'est pas avec ce genre de réaction égoïste que tu vas changer le monde, hein, Slim. C'est un geste très généreux de la part d'Adam, tu devrais prendre exemple sur lui. Vas-y, toi, arrête de faire le lèche-cul, tu sais, parce qu'il a gagné 47 millions, ok? C'est pas une question d'argent, c'est une question de morale. Vas-y. C'est ça, c'est peut-être un mot que tu comprends pas. Oh, c'est bon, les gars, calmez-vous, là, on attends, parle pas de... Tu caches bien ton jeu, hein, tu joues le mec gentil, mais dès que ça parle de pognon, t'es plus le même. C'est quoi, Adam? Bah, t'aurais jamais dû gagner ces 47 millions. Ça a trop foutu la merde dans le groupe. C'est ça, vas-y, dégage, tu nous manqueras pas, sale radin! Vu que Slim est parti, logiquement, c'est moi qui récupère son million, non? Franchement, c'est plus possible. Mais quoi encore? Quoi encore? Tous me dire quoi encore? Y a rien qui te choque quand tu regardes la télé, là. Bah non, rien. Mais paf, c'est tout plat. C'est tout pourri, les gens, ils sont plats, les actions, elles sont plates. Tout est en 2D. La 2D, c'était au 20e siècle, hein. Maintenant, on est au 21e siècle, c'est le siècle de la 3D. Faut qu'on achète un écran 3D. Mais n'importe quoi, mais ça sert à rien, la 3D. Ça sert à rien. Bah, vas-y, t'as qu'à couper l'électricité et l'eau courante aussi, ça sert à rien, ça. Tu sais, papa, il y a des gens qui sont morts en France pour la Révolution. Et le rapport avec là, un écran 3D, s'il te plaît? Le progrès, c'est ça le rapport, c'est que tu refuses le progrès. C'est ça. Bah vas-y, donne-moi un exemple de programme qui rendrait mieux en 3D. Voilà, je t'excite assez. Depuis quand on est abonné à cette chaîne, là? C'est pas moi, je sais pas. Ah oui? C'est vrai qu'en même temps, la 3D, c'est... C'est intéressant. Ouais.